Peux te présenter? Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Mamadou Lamine Fayinke. Je suis le président de NACOFAC, qui est le réseau des organisations paysannes de l'agriculture de la Gambie. Je suis le deuxième vice-président du ROPA, qui est le réseau des organisations paysannes de l'Afrique de l'Ouest. Mais j'étais membre fondateur de AFET. Membre fondateur de AFET, AFET qui était en ce moment, j'étais le responsable de formation et de la communication. Et en ce moment, donc AFET et adhérer au CISES, se servir de la CNCS au savane. C'était les années 88. C'était la seule organisation gambienne qui avait bénéficié des fonds CISES. Avec quatre zones, on avait démarré. Et donc je peux dire que l'émergence des organisations paysannes est née de cette idée de se servir de la CNCS. Parce qu'en ce moment, les années 76, tous les pays, bon, il y avait la famine partout, il y avait la faim, il y avait la sécheresse, donc tous les pays étaient frappés. Donc il y avait les Allemands qui étaient venus, Mise Kogo et tant d'autres qui ont travaillé avec les États, mais tout de suite, il y a une partie de la société civile qui se sont engagés, les gens qui ont bien réfléchi, qui étaient des encadreurs des paysans, ils ont vu qu'il faut organiser le monde rural. Donc cette organisation du monde rural qui a fait que la naissance de CISES.